Choisis France Bleu Nord tous les mardis à 7h-ci à peu près. On a rendez-vous avec les livres et les événements autour de la lecture dans le Nord-Pas-de-Calais. Et tout ça en double compagnie. À vos côtés, Juliette Delannoy, le spécialiste qui répond à notre grande question. Ben oui, la grande question, c'est que lire, que voir, où rencontrer les auteurs, les autrices. Eh bien, c'est avec Bob Garcia que l'on apprend où aller, que déguster côté lecture. Bonjour mon cher Bob Garcia. Bonjour tout le monde. Et puis là, effectivement, on a un beau salon, un des plus grands salons du Nord qui va avoir lieu à Bondu. Donc c'est le 25e salon du livre qui se déroule à l'espace Poer comme tous les ans au 6 chemin Saint-Georges à Bondu. C'est les 24 et 25 mars prochains. Quelques chiffres pour vous donner l'ampleur de l'événement. Il y a 200 auteurs qui sont attendus, 50 exposants qui sont des éditeurs ou des libraires, et puis il y a des espaces thématiques littéraires par thème qui sont littérature générale, new romance, bien-être, jeunesse, petite enfance, enfin tout ce qui marche bien actuellement. Cet événement, autant dire que c'est vraiment un des plus grands des Hauts-de-France. Et parmi les auteurs présents, pour ne citer que cela, il y a Laurent Delmas, qui est un journaliste et critique de cinéma, qui vient présenter son album illustré sur Jean-Paul Belmondo. Il y a Mathias Malzieux, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est l'auteur et chanteur du groupe Dionysos qui vient présenter son livre Extraordinarium. Et puis lui, vous le connaissez aussi forcément, c'est Henri Lecomte, un tennisman, qui vient présenter Balneuve. Et puis, il y a aussi les auteurs de notre région et les autrices qui seront présents. L'idée aussi, c'est d'aller à leur rencontre, de discuter, de faire signer ces ouvrages. Oui, exactement, il y en a plein. Le tapis rouge est déroulé pour les auteurs du Nord, c'est la moindre des choses, c'est leur salon aussi. Hein. Et on a une chance, c'est que Amélie Antoine, dont on parle très souvent ici, sort son tout dernier ouvrage adulte, roman adulte, en exclusivité pour ce roman. Donc c'est vraiment l'occasion justement d'aller la rencontrer et discuter avec elle. Ça s'appelle Un enfant sans histoire et ça sort aux éditions Le Muscadier. En deux mots, le pitch, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 5 ans, il s'appelle Vadim, il a été adopté par ses parents. Il a un petit frère qui s'appelle Nathan. Et un jour, débarque son grand frère, Volodia, qui fait irruption comme ça dans la famille. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que Volodia, il n'existe pas. C'est son ami imaginaire, là en l'occurrence, c'est son grand frère imaginaire. Et Vadim, il passe de plus en plus de temps avec ce Volodia imaginaire, il y fait de plus en plus référence. Sa vie semble soumise aux souhaits, voire aux exigences et à l'emprise de Volodia, qui devient vraiment très envahissant. L'angoisse monte comme ça au cours de ce récit qui fait 300 pages. On est en permanence sur le fil du rasoir avec le sentiment que tout peut basculer dans l'horreur à tout moment sans qu'on sache exactement pourquoi. Amélie Antoine pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses sur les traumatismes de la petite enfance. Pour moi, c'est vraiment du grand art, c'est très réussi, c'est du niveau, je dirais, des meilleurs Stephen King. Voilà. Ah ouais, ah mais carrément. Ouais, carrément. Oh, là, il y a ça s'appelle niveau. Un enfant sans histoire d'Amélie Antoine aux éditions Muscadier. Franchement, ne le ratez pas celui-là. Ah, et qui sera présente lors de ce 25e salon du livre de Bondu. Vous êtes notre ami en vrai, pas du tout imaginaire, mais en vrai, Bob Garcia, pour les bons conseils, lecture, Bob, écrivain, journaliste. Grand merci pour ces bonnes idées. À très vite, mon cher Bob. À bientôt.